raison, mais il va tourner alors. Oui, il a bras. Ceux qui connaissaient les lieux peuvent se rendre compte de l'ampleur de la tâche
à réaliser, et surtout de la manière avec laquelle les entreprises locales, sous la conduite, je le répète, du cabinet Pentagram et sous la surveillance, entre guillemets, de mes collègues responsables de la commission des travaux, ont, je crois, réalisé un exploit. Et parce que faire ce que nous venons de voir, bon, pas un luxe extrême, mais je crois que c'est correct par rapport à ce que nous avions, tant il est vrai que c'était à l'état de ruine. Alors donc, j'en profite pour féliciter très chaleureusement les entreprises locales et le maître d'œuvre. Le résultat est donc parfait, même si le maire n'a pas pu suivre les travaux du début jusqu'à la fin. Il paraît qu'on a dit le maire ne vient jamais sur le chantier, ça sera loupé. C'est pas vrai, au contraire. Peut-être c'eût été loupé si le maire était venu, parce que le maire est incompétent en la matière et qu'au conseil municipal, il a des collègues qui, eux, sont là et qui ont été choisis pour leurs compétences et qui sont là pour suivre ce genre de travaux et qui l'ont très bien fait, et qui l'ont très bien fait, le résultat nous venons de le voir. Monsieur le maire et conseiller général, messieurs et mesdames du conseil municipal et vous tous qui êtes venus, je vous remercie de cette inauguration. Je savais que depuis plusieurs années, un projet était en cours et je vois qu'il a été mené à bien. Il est certain qu'on peut penser, on peut toujours dire, et si on avait fait ça, et si on avait fait ça, c'est vrai. Mais ce qui a été bien fait et a été fait d'une façon fonctionnelle. Je crois que vous avez réussi à faire, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, une unité entre le lieu de culte, qui est l'église, entre les dépendances, qui sont la sacristie, et les lieux de catéchisme. Il est vrai, comme vous le rappelez tout à l'heure, même lorsque l'on peut bénéficier dans une municipalité de l'accueil dans des salles polyvalentes, il n'y a pas toujours des coïncidences avec les horaires, et je crois que ça donne ainsi une autonomie à l'existence des activités de la communauté chrétienne. Il est vrai que dans notre pays, nous pouvons aujourd'hui voir le chemin qui a été parcouru. Car pour réaliser cela, et je le dis en disant toute ma reconnaissance au conseil municipal qui a voté ces travaux, vous avez fait le maximum de ce que vous pouviez faire pour ce que nous pouvons appeler la liberté de la croyance d'une majorité importante de la population de ces salles. Et je pense que dans une société démocratique comme la nôtre, il faut savoir voir large et respecter les opinions de chacun. Je crois que le respect doit être réciproque. Doit être réciproque parce que c'est une manière de vivre avec tous. Dans notre pays, nous sommes différents. Et aujourd'hui, s'il y a des erreurs, souvent, c'est parce que nous avons du mal à nous accepter différents. Je veux, ici, j'en ai la preuve, que c'est ça. Vous avez voulu faire honneur à toutes les dimensions spirituelles de la communauté chrétienne, donc, si je dirais, à la responsabilité. Je sais que vous avez fait, on pourrait dire, un peu des prouesses techniques, parce que je m'étais aventuré sous la responsabilité de M. le curé au rez-de-chaussée, et je me disais comment ils vont trouver une solution, parce que les murs étaient parfois bien droits, et en tout cas, vous avez embelli le patrimoine, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, j'ai entendu, qui chuchotait à côté de moi, il me disait, quand j'étais petit, j'allais au catéchisme, mais on se gelait. Si maintenant je devais revenir au catéchisme, je crois que je me ferais curé. Alors, les jeunes qui sont dans ces sacs, maintenant, ce n'est pas la faute au maître si vous ne voulez pas au catéchisme. Thank you.
Mais tu filmes sans arrêt. Mais non, mais tu...